Bonjour à tous, et bien aujourd'hui vous allez voir la deuxième émission de notre web TV d'Aja. Comme nous vous l'avions dit la dernière fois, nous l'avons consacré à un événement qui s'est produit en mois de juin. Là il s'agit du 9 juin 1848. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 9 juin 1848 ? Eh bien c'est ce jour-là qu'a été proclamée la République dans l'île de la Réunion. Alors comme vous le savez, le but de ces émissions, c'est d'utiliser les nouvelles technologies, Internet, YouTube, etc., pour diffuser les connaissances que j'ai développées dans mon histoire populaire de la France, mais aussi pour approfondir des points que je n'ai pas eu le temps de creuser, ou que je n'ai pas eu la place pour creuser dans cet ouvrage. Alors, la question coloniale est une dimension importante pour moi de l'histoire populaire. Je lui consacre d'ailleurs plusieurs chapitres de mon livre, mais comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai abordé sous un angle qui fait peut-être l'originalité de mon histoire populaire, c'est-à-dire que je mets toujours l'accent sur les relations qui lient, comme on dit, ceux d'en haut et ceux d'en bas, les dominants et les dominés. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous pour éclairer l'histoire donc de la construction de la République sur l'île de la Réunion. La Révolution de 1848 a suscité un grand nombre de travaux, mais en général, ces travaux sont centrés sur la métropole et tout particulièrement sur Paris, puisque l'essentiel des événements se sont déroulés à Paris. Pourtant, c'est un événement fondamental pour le premier empire colonial français, puisque la Deuxième République, l'une de ses premières décisions a été de supprimer l'esclavage. Donc on va voir que cette abolition de l'esclavage a été une dimension évidemment tout à fait essentielle à l'île de la Réunion. Alors je voudrais tout de suite préciser quand même, chers téléspectateurs, que je ne suis pas moi-même un spécialiste de cette question-là. Donc, je me suis appuyé sur les travaux que les historiens spécialisés ont produits, soit sur l'histoire de la colonisation, de l'esclavage en général, soit plus particulièrement sur l'histoire de la Réunion. Et vous verrez, parce que nous allons l'indiquer dans notre bibliographie à la fin de l'émission, qu'il y a une très grande richesse de travaux qui ont été consacrés à cet événement essentiel, donc à la Réunion. Des sites internet, une bibliographie, des textes. On mettra aussi ces documents sur notre site d'Aja parce qu'ils peuvent servir de support pour des enseignants qui voudraient aborder avec leurs élèves la question coloniale ou la question de l'esclavage sous un angle un peu différent de ce qu'on trouve dans les manuels scolaires. Alors, première partie, retour sur les événements qui se sont produits, en fait, les 8-9 juin 1848 à La Réunion. Alors peut-être, sans doute, que vous savez que l'île de La Réunion, jusque-là, s'appelait l'île Bourbon. Bourbon, du nom de la famille royale, et c'était l'une des trois îles qui composait un archipel qu'on appelait l'archipel des Mascareignes, avec deux autres îles moins importantes, l'île Maurice et l'île Rodrigue. La Réunion, comme vous le savez, peut-être êtes-vous originaire de cette région ou peut-être êtes-vous allé en séjour ou en vacances, c'est très éloigné de Paris, 9360 km. Et à l'époque, le seul moyen de s'y rendre, c'était le bateau. Et même pas les bateaux à moteur, c'était encore des bateaux à voile. C'est pour cela que, alors que le soulèvement populaire qui a renversé Louis-Philippe à Paris, et la monarchie de Juillet, donc, qui régnait à ce moment-là, a eu lieu du 22 au 25 février 1848. C'est seulement le 8 juin 1848 que la nouvelle est devenue officielle à La Réunion, lorsque le bateau, je crois que c'était le Calcutta, est arrivé sur l'île et qu'on a eu des émissaires qui ont confirmé « oui, 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 la monarchie est remplacée, nous vivons maintenant sous une république ». Le gouvernement provisoire qui avait été mis en place à Paris suite au remplacement de Louis-Philippe, a nommé un représentant
on a changé de nom. C'est souvent comme ça, quand il y a des changements de régime, on change de nom. Auparavant, on l'appelait gouverneur. Désormais, on va l'appeler commissaire général de la République. Alors, le commissaire général de la République, qui a été nommé par le gouvernement provisoire, arrive le 13 octobre 1848. Il s'appelle Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga. Vous avez un portrait ici de ce personnage. Évidemment, son rôle principal, ça va être de mettre en place une décision fondamentale qui a été prise par la Deuxième République le 27 avril 1848, l'abolition définitive de l'esclavage. Je dis définitive parce que, peut-être vous le savez, il y avait une première abolition sous la Révolution française, mais Napoléon Ier avait rétabli l'esclavage. À l'époque, pas de radio, pas de télévision, et les journaux existaient, mais ils étaient réservés à une petite élite qui savait lire et écrire. Alors, on se dit, mais comment le gouvernement pouvait-il populariser ces mesures? Eh bien, l'un des moyens privilégiés, c'était la peinture, le recours à l'iconographie, des tableaux qui sont censés symboliser, représenter les décisions du gouvernement. Alors, j'en ai choisi deux, ici, que vous allez voir et qu'on pourra commenter très rapidement. Le premier, c'est un tableau de François-Auguste Billard. Le centre du tableau est occupé par deux personnages, un esclave, un homme noir, et une esclave, une femme noire, qui sont en train de briser leur chaîne. Maintenant, vous allez voir un second tableau qui, lui, a été peint à La Réunion par un peintre local. Enfin, il n'était pas né dans l'île, mais il était arrivé depuis un certain nombre d'années. Il était enseignant aussi, je crois, à Saint-Denis. Il s'appelle Alphonse Garot. Alors, regardez bien ce tableau. Là, vous voyez peut-être les différences avec l'autre tableau que vous avez vu tout à l'heure. Au centre, c'est le commissaire de la République, Sarda Garriga en personne, qui tient le décret d'émancipation des esclaves dans sa main. Et à l'arrière-plan, regardez, une cheminée. Sur la droite, vous voyez des outils, des instruments de travail. C'est la volonté de symboliser l'industrie qui était dominante en 1848 à La Réunion, c'était la production du sucre, culture et exploitation industrielle du sucre. Mais le point commun avec le tableau que vous avez vu tout à l'heure, c'est les esclaves noirs qui sont reconnaissants par rapport à leur libérateur. Regardez cette femme agenouillée qui lève les yeux au ciel vers le dieu blanc, on pourrait presque dire, qui apparaît comme tel, Sarda Garriga. Mais il y a une différence. Elle me semble importante, je n'ai pas creusé les commentaires qui ont été donnés de ce tableau, c'est l'absence totale des colons blancs. Vous voyez, alors que sur le premier tableau, on avait une partie qui était consacrée aux blancs. Il me semble que c'est peut-être pour signaler un phénomène important à La Réunion à ce moment-là, c'est les résistances de la part des planteurs qui possédaient de nombreux esclaves et qui sont inquiets par rapport à cette décision de la République. Il paraît que certains d'entre eux avaient même proposé qu'on empêche le commissaire de la République de mettre le pied sur l'île et qu'on le renvoie directement à Paris. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais il a été accueilli dans un silence glacial et il y a eu de nombreuses pressions pour retarder l'échéance. Même les lycéens du lycée de Saint-Denis se sont mis en grève et le lycée a été fermé jusqu'en février 1849. Finalement, le décret abolissant l'esclavage est adopté localement, donc le 19 octobre 1848. Cependant, pendant 2 mois, Sarda Garriga, qui était un homme prudent et un fin politique, pourrait-on dire, il va accorder un certain délai et lui-même va se déplacer dans l'île, il ne connaissait pas, il venait d'arriver, pour convaincre toutes les parties de la population des bienfaits de cette nouvelle décision. Ce qui est intéressant, c'est que dans les archives locales, on a conservé un certain nombre
de ces notes qu'il a prises au long de son voyage. Ces textes sont intéressants parce que vous voyez, c'est la vision de ce commissaire qu'il ne faut pas prendre pour la réalité. Je dirais qu'il y a des biais, c'est sur ces biais que je voudrais travailler un peu avec vous dans le commentaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Au fond, il dit, voilà, je suis arrivé, je leur ai octroyé la liberté et ces Noirs étaient tous unanimes pour me féliciter. C'est pour ça que j'ai voulu éviter l'antagonisme entre Noirs et Blancs. Ces propos s'achèvent donc par cette décision, par cette proclamation officielle qui a lieu le 20 décembre 1848. C'est le jour où est proclamé officiellement l'abolition de l'esclavage. C'est toujours un jour férié, vous le savez peut-être, aujourd'hui à La Réunion. Et vous avez ici, sur ce document, vous voyez, le texte de cette proclamation. Regardez la première phrase. On reviendra sur ce texte par la suite. La première phrase commence par « Mes amis, les décrets de la République française sont exécutés. Vous êtes libres, tous égaux devant la loi. Vous n'avez autour de vous que des frères. » Alors ce vocabulaire, je ne peux pas trop y insister là, mais il est assez caractéristique de la phraséologie, l'idéologie des militants républicains de cette époque-là. C'est un vocabulaire, je dirais, de la fraternité, mais qui est empreint d'une certaine religiosité et qui nie évidemment les antagonismes sociaux qui peuvent exister. Mais, événement fondamental, parce que les 62 000 esclaves qui existaient encore à l'époque à La Réunion sont donc affranchis et vont devenir des citoyens. Pourtant, ce qu'il faut souligner, c'est que les propos que je vous ai présenté tout à l'heure dans le voyage de Sarda Garriga sont assez simplistes. Premièrement, vous avez peut-être remarqué que son regard sur la société réunionnaise est un regard racial, ce qui peut paraître un peu contradictoire et paradoxal pour un militant républicain qui se réclame des droits de l'homme. Mais il voit la société réunionnaise uniquement comme séparée entre les Noirs et les Blancs, occultant évidemment les clivages de classe ou les clivages sociaux, mais occultant aussi la diversité, je vais y revenir, de cette population. Par ailleurs, il s'arroge évidemment tous les mérites de la réussite du processus, parce que c'est vrai que ça s'est fait relativement pacifiquement à La Réunion, ce triomphe de l'affranchissement des esclaves. Victor Schœlcher, un nom qui vous dit certainement quelque chose, puisqu'il était membre du gouvernement provisoire et c'est lui qui militait depuis 1834, date de la fondation pour l'abolition de l'esclavage, pour justement qu'on arrive à supprimer cette odieuse politique, disons, de répression des libertés individuelles. Donc Schœlcher le nomme commissaire à La Réunion. Donc on dirait que Sarda Garriga était un intellectuel de gauche, tel qu'on pouvait les avoir à cette époque-là, fidèle à l'idéal humaniste des Lumières, mais qui ignorait absolument tout des réalités complexes des sociétés coloniales. Et ça, c'est assez typique de ce qu'on retrouve, ça a été étudié dans d'autres recherches, mais on a un mouvement humaniste qui se réclame des Lumières, qui est contre l'esclavage, mais qui croit à l'existence des races, et qui croit à la supériorité de la race blanche sur la race noire. On a des travaux comme ça qui soulignent ce point-là et qui montrent la complexité des choses. Alors, maintenant, je voudrais essayer de vous dire un mot sur la complexité de la société réunionnaise en 1848. Donc ça va être ma deuxième partie que j'ai appelée « Genèse de la société réunionnaise en 1848 ». Premier point, très souvent, l'étiquette « empire colonial », eh bien, elle est trop générale. Elle englobe des réalités qui pouvaient être très, très différentes selon les contextes, selon les histoires locales, etc. Je voudrais souligner donc quelques-unes des spécificités de l'histoire coloniale de La Réunion par rapport à ce qui s'était passé, notamment dans les Caraïbes. 1. L'occupation française a été plus tardive parce que la découverte et l'occupation de l'île ne s'est faite vraiment qu'au XVIIe siècle. D'abord administrée par la Compagnie des Indes,
puis directement par le pouvoir royal. Donc il y a eu là plusieurs phases d'occupation assez centralisée de l'île. Et en 1686, il n'y avait encore que 216 habitants à La Réunion. Et puis, il y a un premier basculement, c'est le passage à la culture du café. La culture du café va occuper pendant longtemps l'essentiel du développement économique de la région. Ça va être un premier facteur qui explique le recrutement d'esclaves. Par exemple, en 1763, il y a déjà 22 000 habitants à La Réunion, dont 18 000 esclaves. Et la majorité de la population, dès ce moment-là, est composée d'esclaves. Alors, ce qui va se produire aussi, une deuxième spécificité peut-être de La Réunion, c'est l'époque révolutionnaire. Vous savez sans doute que, en fait, la première abolition de l'esclavage qui a été décidée par la Convention, donc par Robespierre, en fait, c'est la conséquence de la révolution, de la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Il y a donc des événements extrêmement violents qui se déroulent dans ces îles des Caraïbes. Vous connaissez sans doute Toussaint Louverture, qui a fondé la première République noire de l'histoire. Eh bien, ces phénomènes violents, on ne les trouve pas à La Réunion. Lorsque même la Convention proclame l'abolition de l'esclavage, les planteurs réunionnais réussissent à empêcher le phénomène. Il n'y aura pas donc d'abolition de l'esclavage à La Réunion avant 1848. Autre facteur très important, c'est ce qui se passe au début du 19e siècle. L'économie locale bascule du café vers le sucre. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'économie sucrière, elle a ses propres exigences. Parmi ces exigences, c'est qu'il faut énormément de main-d'œuvre pour cultiver la canne à sucre. Donc c'est une occupation qui va nécessiter de recruter de plus en plus d'esclaves, alors même que la traite des esclaves commence à être interdite. Donc il y aura une bonne partie des esclaves qui vont arriver à La Réunion au début du 19e siècle, qui sont le produit de la traite clandestine. Alors, en 1848, vous aviez 103 490 habitants à La Réunion, dont 62 000 esclaves, et une bonne partie d'entre eux étaient arrivés dans les 20 ou 30 années précédentes. La dernière particularité de La Réunion par rapport aux Caraïbes, c'est qu'il n'y a pas de... L'économie n'est pas centrée sur le sucre. Il y a une diversité du système plantationnaire plus grande, ce qui fait donc une diversité plus grande des occupations. Tout cela fait que, lorsque vous examinez la composition de la population locale, vous trouvez une grande diversité des origines. Grande diversité déjà des origines des esclaves. Quand Sarda Garriga parle des Noirs, c'est extrêmement simplificateur, parce qu'en fait, au départ, vous avez eu les premiers esclaves qui ont été recrutés venaient des comptoirs de l'Inde. Vous savez, Pondichéry, Chandernagore, etc., etc. C'est seulement dans un deuxième temps qu'il va y avoir un recrutement alors massif qui va devenir largement dominant, qu'on appelle recrutement régional, entre guillemets, venu de Madagascar et de l'Afrique orientale. D'autre part, vous voyez, cette diversité des origines se voit aussi, se reflète dans les physionomies des gens. Et c'est quand même assez paradoxal que Sarda Garriga ne s'en rend pas compte. Sur le portail Esclavage Réunion, donc un site internet que je vous conseille de regarder, l'historien Philippe Bessière a très bien expliqué cette diversité et la conscience qu'en avaient déjà les voyageurs à l'époque où Sarda Garriga est arrivé. Je vais vous citer juste un récit de voyage qui a été publié en 1840. Le voyageur dit « Lorsqu'on observe avec quelque attention la population esclave de Bourbon, donc Bourbon c'était le nom qu'on donnait à La Réunion, on reconnaît avec surprise qu'elle ne se compose pas seulement de nègres. » Nègre, c'était le mot utilisé très souvent au lieu de noir. Remarquons d'ailleurs que Sarda Garriga évite d'utiliser le mot nègre, qui était très péjoratif. Il préfère dire noir, qui était plus valorisant. Donc la population ne se compose pas seulement de nègres, mais encore de malais, de bengalis, de malabars et même de blancs. Une autre erreur de Sarda Garriga dans sa description de la population, il établit une équivalence entre noirs et esclaves, ce qui n'est pas juste. Au milieu du XIXe siècle,
il y a déjà un grand nombre d'esclaves noirs qui avaient obtenu leur émancipation. C'est une catégorie qu'on appelait les libres de couleur, des gens qui étaient libres, mais qui pouvaient être d'origine africaine ou autre. Hein. Et autre aspect quand même très important, c'est le nombre des unions mixtes, qui avaient donné aussi une diversité par rapport à ce qu'on appellerait aujourd'hui les métis, mais qu'à l'époque on appelait les mulâtres. Certains d'entre eux d'ailleurs s'étaient enrichis et pouvaient être propriétaires d'esclaves. Enfin, dernière différence, c'est entre, au sein même des esclaves, entre ceux qui étaient nés sur l'île, qu'on appelait les créoles, et les autres qui avaient été recrutés beaucoup plus récemment. Donc vous voyez, cette idéologie, je dirais, de la liberté, de la fraternité, elle occulte quand même des différences sociales et culturelles extrêmement importantes, et elle occulte aussi la diversité des statuts socio-économiques tels qu'ils existaient donc en 1848 au moment de la libération de l'esclavage et qui s'explique par les spécificités du système plantationnaire de la Réunion. Alors là, on a un bon exemple avec l'habitation, ce qu'on appelait habitation, là-bas c'était en gros le nom donné à une exploitation sucrière, l'habitation de Saint-Gilles, qui est devenu aujourd'hui le musée historique de Villèle. Vous pouvez regarder ici le document qu'on vous a choisi pour illustrer cette plantation. C'est la plantation qui a connu peut-être le plus grand développement au début du 19e siècle, et on a pu retracer, les historiens locaux ont retracé son histoire. Donc au début, on a une concession initiale qui est accordée aux premiers colons qui arrivent sur l'île, mais petit à petit, cette concession se fragmente parce qu'il faut diviser l'héritage, nombreux héritiers, donc on a une atomisation du territoire initial. Et puis, lorsque l'économie bascule vers le sucre, là, il y a une reconcentration des terres pour pouvoir voilà, investir et pour pouvoir vraiment développer le capital nécessaire à l'exploitation de la canne à sucre. Ce qui est très intéressant dans cette forme d'économie, c'est le système de domination sociale. Il est centré sur une habitation familiale. Il y a une famille qui règne tout en haut, des colons blancs, donc les descendants de ceux qui sont arrivés, des propriétaires qui contrôlent l'ensemble de la vie sociale, mais aussi de la politique locale, parce que ces familles sont liées entre elles par des liens de sociabilité, politique, etc. Et vous avez parmi cette élite un personnage, c'est celui que vous avez sur ce portrait, vous voyez, Philippe Panon, de Bassin de Richemont. Alors vous voyez, de Bassin de Richemont, en fait, c'était un roturier au départ, mais il se donne des noms nobles. Vous voyez, parce que c'est un signe de consécration sociale pour des gens qui s'anoblissent eux-mêmes grâce finalement à l'enrichissement qu'ils ont obtenu en exploitant des esclaves. Bon. Donc, le monde des classes dominées, il est diversifié à La Réunion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des esclaves, des libres de couleur, les libres de couleur, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, la plupart d'entre eux, ils peuvent être domestiques. Ils peuvent être des petits paysans, le prolétariat rural, ou alors ce qu'on appelle des engagés sous contrat, voilà, qui travaillent pour des propriétaires. Si on regarde maintenant les esclaves eux-mêmes, c'est pareil. Le mot esclave, il recoupe en fait des statuts qui peuvent être très variés. Les statistiques qui ont été établies, toujours sur ce domaine de Saint-Gilles, montrent que 48% des esclaves étaient ce qu'on appelait à l'époque des noirs ou des négresses de pioche. Noir de pioche, ça voulait dire, c'était le prolétariat, je dirais ceux qui étaient le plus exploités. C'est ceux-là qui cultivaient la canne à sucre dans les champs principalement. Mais il y a 12,5% de gardiens. Vous voyez, c'est le signe de l'ampleur de la surveillance des esclaves. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, autour de 10% de domestiques qui étaient au service des familles. Chaque enfant avait son domestique attitré. Donc, ça donne, vous voyez, une image de la diversité des statuts. Ce monde était chapeauté par un régisseur, qui était le maître d'œuvre, au service direct du patron, du propriétaire, et qui dirigeait un grand nombre de commandeurs. Les commandeurs, c'était eux-mêmes des esclaves, mais c'était l'élite des esclaves, et qui était chacun chargé d'une bande, c'est-à-dire d'une équipe. Si vous voulez, certains
travaillaient au champ, d'autres travaillaient dans la forêt pour le bois, pour exploiter le bois, d'autres dans l'usine, dans la fabrique du sucre, et les autres dans la maison. Et donc, ils avaient un rôle, eux aussi, à la fois de gestion, de contrôle. Ils devaient rapporter au maître les moindres incartades. Donc, ils étaient dans une position, vous voyez, un petit peu contradictoire. Ces statuts différents que je viens d'énumérer ne doivent pas cacher quand même l'importance de la polyactivité. C'est-à-dire que les tâches n'étaient pas forcément extrêmement spécialisées. Par exemple, on se rend compte qu'il y a très peu de maçons, il y a très peu de charpentiers, parce que, eh bien, on pouvait être à la fois cultiver la canne à sucre pendant la saison de la culture, et puis après avoir des activités artisanales quand on était dans l'autre saison. C'est lié à un système, vous voyez, économique qui combine une partie agricole et une partie industrielle. Alors, vous voyez, cette diversité des statuts que je viens de vous présenter, c'est une photographie, j'ai essayé de faire une petite photographie de la société réunionnaise en 1848. Ça permet de comprendre que finalement cette décision fantastique de libération des esclaves, elle a pu être ressentie de façon diverse selon les différentes composantes de la population. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que Sardagarika, il a tendance, ouais, bien compris, bon, c'est un peu normal, on fait tout ça hein, finalement, à se donner le beau rôle. C'est grâce à moi, j'ai réussi à réconcilier tout le monde, etc. Il oublie quand même une chose, c'est que les esclaves n'ont pas attendu les bras ballants que M. Sardagariga arrive pour les libérer. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système, dans ce premier système colonial, vous avez trois acteurs principaux. Vous avez les colons, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves, qui eux-mêmes sont divisés, il y en a qui sont très riches, mais d'autres qui sont pauvres. Hein. Vous avez les esclaves, ceux qui sont directement exploités par les maîtres, mais vous avez aussi l'État, l'administration. Et ça, c'est très important. Depuis le fameux édit de mars 1685, qu'on appelle, il faudrait revenir sur ce mot, mais le Code noir, eh bien, en fait, c'est un acte de souveraineté, où le pouvoir royal, à l'époque, là, on était à l'époque de Louis XIV, mais la main pour contrôler aussi ce qui se passe dans les colonies. Et ça va jouer un rôle important. Les maîtres, les propriétaires, eux, ils auraient bien voulu continuer l'esclavage pendant des siècles, hein, ça leur rapportait. Mais il y a un mouvement qui se produit dans les métropoles, notamment en Angleterre. On oublie toujours quand même que c'est d'abord les Anglais qui ont interdit la traite, enfin après la Révolution française, hein, en 1807. Et généralisé en 1815 au traité de Vienne. Interdiction de l'esclavage par les Anglais en 1833. Du coup, comme l'océan Indien, si vous voulez, c'était une région qui était complètement dominée par les Anglais. La Réunion va être était l'une des seules, la seule, je crois, même colonie contrôlée par la France, mais la seule où l'esclavage continuait. Donc c'était un peu, vous voyez, paradoxal. Il y avait une sorte de contradiction qui ne pouvait pas durer éternellement. Donc, il y a l'héritage de la philosophie des Lumières aussi. On se dit quand même la Révolution française, déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ça pèse dans l'opinion. Et donc, on a ce mouvement qui se développe, surtout sur la monarchie de juillet. Hein. Je vous ai parlé de Schœlcher tout à l'heure, il va impulser tout un mouvement pour l'interdiction de l'esclavage, à tel point que Louis-Philippe, sous Louis-Philippe, il y a une pénalisation de la traite et qui va être considéré comme un crime passible des travaux forcés. Donc ça va quand même dissuader un certain nombre de gens de se lancer là-dedans, même si pour la Réunion, ça n'est pas stoppé immédiatement. Hein. Autre aspect, là un peu cynique on pourrait dire, c'est que certains planteurs, propriétaires, ils sont aussi éclairés, c'est-à-dire ils lisent des bouquins d'économie, ils se forment, et petit à petit, ils découvrent que c'est peut-être pas si rationnel que ça d'utiliser une main-d'œuvre d'esclave pour faire fonctionner son entreprise. Hein? Parce qu'il faut les surveiller, il faut les punir, il faut chercher les marrons, je vais y revenir tout à l'heure, ceux qui fuient, donc il faut les fouetter, enfin c'est moralement, c'est quand même pas trop exaltant. Hein? Donc il y a une réprobation morale qui se développe. Et puis ça a un coût. Il faut beaucoup de surveillants, il faut des prisons, et puis il faut les entretenir, il faut leur donner à manger, même si on leur donne peu, il faut quand même qu'ils soient suffisamment forts le matin pour aller cultiver la canne, hein, la canne à sucre.
Donc ces propriétaires éclairés découvrent qu'il y a un coût et qu'il faut peut-être évoluer en supprimant, donc en acceptant la suppression de l'esclavage. Alors pour la Réunion, vous avez un personnage qui va symboliser ce progrès technique, c'est Charles Desbassins, qui va innover en introduisant une machine à vapeur pour actionner les moulins à canne en 1817. Ça va être une révolution en soi, une révolution technologique. On passe à l'ère du machinisme, il faut donc de plus en plus de capitaux, et puis ben, ça permet de réduire la main-d'œuvre, et donc petit à petit, on va avoir une prise de conscience du fait que finalement, on peut trouver peut-être des solutions dans le passage de l'esclavage au salariat. On va voir ça tout à l'heure. Enfin, le rôle des esclaves eux-mêmes, alors il y a ce qu'on appelle le marronnage, c'est-à-dire des esclaves qui ne supportent plus d'être asservis et qui fuient les plantations et qui se cachent dans les montagnes. Alors, en fait, il y aura peu de révoltes massives à La Réunion. On peut néanmoins en rappeler celle qui se produira à Saint-Leu, une insurrection importante en 1811, qui est restée quand même dans l'esprit de tous les planteurs. Donc il y a cette résistance collective de la part des esclaves. Il y a donc d'un côté ces résistances collectives, mais la résistance des esclaves ne se limite pas à cela. On comprend de mieux en mieux aujourd'hui, grâce aux nouveaux travaux des historiens, qu'il y a de multiples formes de résistance individuelle. L'une des formes de résistance, c'est déjà la conservation de sa culture d'origine. Donc ces différents groupes qui viennent d'horizons divers vont maintenir leur culture d'origine, parfois la métisser, d'où la richesse de la culture créole, qui donne aussi cette richesse de la culture actuelle de la Réunion. Mais on constate également qu'il y a des formes de résistance qui ne sont pas collectives, qui sont individuelles, donc qui sont plus difficiles à cerner. Mais grâce à de nouvelles recherches historiques, on arrive mieux aujourd'hui à les cerner. Alors, je m'en suis appuyé sur l'une d'entre elles et tiré d'un livre que je vous conseille de lire, on vous le rappellera dans la bibliographie, qui s'appelle Libre et sans faire, qui a été publié par Frédéric Réjean, Gilda Confier et Bruno Maillard. L'originalité de ce livre, c'est qu'ils ont travaillé sur les archives des procès qui donc ont concerné des esclaves, et donc dans ces procès, ben, les esclaves pouvaient témoigner, et leur témoignage, eh bien, donne accès à leur parole. Donc, évidemment, les paroles de ces esclaves, il faut les interpréter, parce qu'ils ne parlaient pas forcément le français comme parlaient les juges et comme parlaient les greffiers. Il faut donc retranscrire, il y a donc un travail de retranscription qui peut biaiser les interprétations. Néanmoins, c'est une source tout à fait essentielle pour comprendre un minimum le point de vue de ceux qui n'avaient pas droit à la parole, qui étaient les esclaves. Donc, ils intitulent l'un de leurs chapitres, d'ailleurs, d'un titre que je trouve très suggestif, Il y a beaucoup de mots français dont je ne saisis ni le sens ni la portée, dit un des témoins lors de ces procès. Vous voyez, il y a là une source qui met nécessite pour l'historien de s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un porte-parole, mais qui en même temps nous donne une petite lumière sur toute cette masse de gens qui étaient parmi les plus exploités de cette société réunionnaise. On voit bien là, alors qu'on présente souvent une image des esclaves comme complètement dominés, incapables de bouger pieds et pattes en dehors de la loi du maître, en fait, il y a toute une des micro-possibilités de résistance par les déplacements. Vous savez, les esclaves ne pouvaient pas se déplacer sans un billet, c'est-à-dire, on pourrait dire, sans un passeport, un document que signé par le maître, les autorisant à se déplacer. Mais là, lui, il n'a pas de billet, il réussit malgré tout, grâce à des complicités, avec d'autres membres de sa communauté, à se déplacer. Il a même quelqu'un qui lui fait, disons, un faux billet. Donc voilà, c'est assez intéressant pour cette dimension des micro-résistances, je trouve, de la part de ces esclaves par rapport à l'ordre esclavagiste, qui met en crise finalement l'ordre esclavagiste. Un autre élément, voilà, c'est le deuxième exemple, il y en a beaucoup dans le livre, mais que j'ai retenu, c'est les raisons pour lesquelles certains d'entre eux vont choisir de devenir marrons, c'est-à-dire donc d'abandonner l'exploitation, de fuir l'exploitation pour vivre dans la clandestinité. Il s'appelle l'Indor. C'est un malgache, c'est-à-dire un esclave d'origine de Madagascar. Il a 25 ans, il est marin et esclave du sieur Marion qui demeure à Saint-Denis.
Vous voyez, c'est intéressant quand on lit le commentaire des historiens qui ont travaillé là-dessus, parce qu'on voit que le marronnage, c'est plus compliqué que ce qu'on nous raconte souvent, vous voyez, avec des bandes de résistants comme ça, cachés dans la forêt, qui font des coups comme ça, d'attaques contre les planteurs. Vous voyez, il y a une sorte d'installation du marronnage, c'est-à-dire le gars, ben, il est marron, oui, mais il n'est pas très loin de chez lui. Il revient la nuit avec la complicité. Il travaille même, il gagne un peu d'argent comme ça, en travaillant grâce à la complicité d'autres esclaves qui eux-mêmes travaillent pour des maîtres. Mais parfois, un même esclave travaillait pour plusieurs maîtres. Il ne savait même pas à qui était parfois son maître. Donc, vous voyez, c'est cette complexité-là de la société réunionnaise qui est très intéressant à analyser pour comprendre, je dirais, la situation. Alors évidemment, tout cela va contribuer à faciliter, je dirais, l'acceptation donc de l'abolition de l'esclavage, parce que les maîtres eux-mêmes se rendent compte que de toute façon, ce système est en train de s'écrouler, vous voyez, de multiples façons. Mais il y a une troisième dimension sur laquelle je voudrais insister dans la troisième partie. C'est les raisons pour lesquelles, eh bien, les maîtres ont accepté cette proclamation de l'abolition de l'esclavage. Parce que, vous voyez, à la déclaration, la proclamation du 20 décembre 1848 de Sardaigariga, que vous avez là sous les yeux. Hein. Alors, vous voyez que dans cette déclaration, ça vous a peut-être surpris, il est écrit en gros aux travailleurs. Le mot travailleur est écrit en gros. Oui, parce que justement, la révolution de 1848, c'est une révolution du travail. Le mot travail a acquis une importance tout à fait fondamentale en 1848, parce que c'est une révolution ouvrière qui a été menée par des ouvriers de la petite industrie parisienne et qui ont mis exalté la fierté du travail. Donc, Sardaigariga récupère ce mot qui était très à la mode de travailleur et l'applique à la colonie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-clé, hein? Pourquoi exalte-t-il tout à coup le travail? Bien parce que c'est un enjeu majeur du changement de système qui va se produire à ce moment-là, qui consiste finalement à remplacer une forme de domination par une autre. On va remplacer l'esclavage par un autre système qu'on appelle l'engagisme et qu'on pourrait appeler, j'y reviendrai tout à l'heure, le servilisme. L'engagisme, c'est-à-dire que désormais les individus ne sont plus des esclaves, ce sont des travailleurs libres, mais qu'on incite à continuer à travailler pour les anciens planteurs, les anciens maîtres. Vous comprenez? C'est là toute la subtilité et toute l'importance du discours de Sardaigariga à l'égard des planteurs. En gros, il leur dit, ne vous en faites pas, vous allez récupérer votre main-d'œuvre, mais elle va changer de nom, ils seront libres, mais ils continueront à travailler pour vous, donc vous continuerez à faire des profits. Alors, si vous lisez, ce serait intéressant d'insister sur le commentaire de ce texte, il est très révélateur. Regardez le mot liberté, qui revient sans cesse. La liberté du travail, c'est le fondement du capitalisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme. Ah ben oui, vous êtes libre. On est libre aujourd'hui, on peut aller n'importe où, travailler n'importe où, mais on est libre. Évidemment, mais il faut manger. Donc il y a la contrainte économique qui remplace la contrainte politique. Regardez aussi la référence à Dieu. Bon, ça, je n'ai pas insisté, mais la Révolution de 48, je vous l'ai dit, elle est quand même très, très tournée vers des valeurs chrétiennes, hein, valeurs chrétiennes d'exaltation de la religion, de la foi, tous les hommes sont des frères, ce ne sont pas des camarades, hein, ce sont des frères à l'époque. Et le mot-clé, c'est engagement. Vous allez vous engager, vous devez accepter un engagement. Il va même plus loin, si vous lisez dans la suite du texte, il parle de fraternité en demandant aux esclaves, aux anciens esclaves qui sont émancipés, eh bien, sans doute, on va avoir des problèmes, et donc les maîtres ne pourront pas vous payer vos salaires tout de suite. Donc, il leur demande d'être patients. Bon, on voit là quand même de quel côté il penche notre militant républicain. Égalité, troisième mot, liberté, égalité, fraternité. Parler liberté, fraternité, l'égalité, c'est que maintenant nous formons une grande famille.
C'est la grande famille de la Réunion. On est tous égaux. Bah oui, peut-être pas par rapport aux ressources économiques, hein, puisque vous savez, 1848, c'est aussi l'année où Marx Engels publie le manifeste du Parti communiste, qui décale, parce qu'ils ont tout de suite compris ce qui est en train de se passer, c'est la lutte des classes aujourd'hui qui devient dominante. Alors ça, c'est un bon exemple pour moi, pour comprendre comment les dominants s'adaptent toujours quand ils ont perdu une bataille. On pourrait prendre des exemples plus actuels, mais c'est un principe général de la lutte des classes, de la dialectique entre les dominants et les dominés. Les dominants, parfois, ils n'arrivent pas à maintenir leur volonté. Ils sont obligés de céder. Mais ils s'adaptent et ils recomposent un système de domination qui n'est pas le même que le précédent. On peut dire que quand même, c'est bien mieux d'être un travailleur libre que d'être un esclave. Mais ce n'est pas l'exaltation de la liberté de tous les êtres humains qui sont devenus des frères. Ça, c'est une invention. Vous comprenez? Sinon, on ne connaîtrait pas les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre facteur important. C'est que les propriétaires, les planteurs vont obtenir une indemnisation. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y en a qui trouvent ça scandaleux. Oui. 6 millions de francs pris sur le budget de l'État vont être accordés aux planteurs de l'ensemble de l'Empire colonial français pour la libération de 248 500 esclaves, dont 62 000 à La Réunion. Alors, évidemment, les plus riches planteurs vont récupérer le plus, mais quand même, on estime qu'il y a une étude du CNRS qui a été faite là-dessus, on vous l'a mise dans la bibliographie, plus de 30% des bénéfices vont aller à des personnes de couleur, donc des Noirs libres, qui possédaient eux-mêmes des esclaves. Donc il y a quand même une petite répartition qui transcende les clivages de couleur de peau. Les plus riches planteurs vont utiliser cet argent pour moderniser leurs installations et on va arriver donc pour La Réunion à un prototype d'une politique d'assistance par la métropole qui va perdurer et se développer par la suite dans une logique d'assimilation de la colonie au à l'État républicain. Et contrairement à ce que les propriétaires craignaient, l'abolition de l'esclavage ne va pas ruiner leurs exploitations. Au contraire, la prospérité ne sera jamais aussi grande jusque dans les années 1860, c'est-à-dire le Second Empire. C'est seulement après qu'il va y avoir une crise qui va être liée aux mutations du capitalisme. Je ne vais pas développer ce point-là, mais dans un premier temps, eh bien, ça va être finalement une bonne affaire. Sauf que, contrairement à ce qu'affirmait Sarda Garriga, de nombreux esclaves affranchis ne vont pas vouloir retourner travailler chez leur ancien maître, même en étant affranchis. On estime que 35 000 sur 62 000 vont échapper au système de l'engagement car ils estimaient que les salaires étaient trop bas. Donc, il va y avoir, je dirais, une nouvelle forme de coercition qui va s'installer dans l'île, qui est fondée, je dirais, sur un système paternaliste, qui ressemble d'ailleurs pas mal à celui que moi j'ai étudié dans ma thèse à propos de la sidérurgie lorraine, hein, un paternalisme où le propriétaire, le patron, en Lorraine c'était le maître de forge, contrôle tout le territoire, il met en place des églises, des écoles pour former une main-d'œuvre et la rendre docile. Mais il y a un autre élément qui est extrêmement important. C'est le remplacement de l'esclavage par l'immigration. Et oui, le système de l'engagisme est fondé sur le principe de recruter des travailleurs pauvres qui sont libres, mais qui n'ont pas le droit de vote, qui sont des étrangers. Du coup, alors que les esclaves qui ont été affranchis deviennent citoyens, ils peuvent voter. Ça peut avoir une importance dans les élections locales. Vous comprenez? Les engagés, eh bien, eux, n'ayant pas la citoyenneté, sont privés du droit de vote et donc ils sont plus malléables. Alors regardez ce document, c'est la carte des lieux d'origine des engagés. Alors vous voyez, on estime qu'entre 1823, parce que l'engagisme avait commencé avant, j'en ai pas parlé, mais avant l'affranchissement des esclaves, à la Réunion, il a commencé vers 1823, on estime qu'il a duré l'extrême fin jusqu'en 1933, que 200 000 engagés sont venus un jour à La Réunion.
en provenance de différentes zones que vous avez ici, ce qui va renforcer encore la diversité de la ethnique de la population de La Réunion. On estime que les deux tiers d'entre eux viennent d'Inde, et l'autre partie, eh bien, sont des Malgaches, et des Africains qu'on appelait des Cafres. Et toute cette population-là, eh bien, va bénéficier d'un engagement, c'est-à-dire d'un contrat de travail pour une durée déterminée, qui sont libres d'accepter ou non, mais une fois qu'ils l'ont accepté, eh bien, ils sont contraints par ce contrat de travail. On vous a donné, regardez ici, vous avez un exemple de contrat de travail. Ils peuvent pratiquer leur religion, être rapatriés en fin de contrat, garder leur nom, mais ils n'ont pas le droit de négocier leur salaire, la durée du travail non plus, ils ne peuvent pas la négocier, ils n'ont pas le droit de circuler au-delà des limites de la propriété, et ils logent de manière souvent terrible dans des camps. Regardez ici, on vous a montré un camp d'engagés sur cette île. Donc finalement, les conditions sont terribles. On estime que 25% des engagés indiens vont mourir sur l'île avant la fin de leur contrat, et 25% environ demanderont leur rapatriement parce qu'ils trouveront ces conditions insupportables. Pour les autres, eh bien, certains vont rester sur place, vont devenir ouvriers agricoles ou colons. C'est pourquoi l'un des historiens locaux, malheureusement décédé aujourd'hui, qui a fait le plus pour la connaissance de l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme, qui s'appelle Sudhel Fuma, a proposé qu'on remplace le terme d'engagisme par le terme de servilisme. Oui, on se rapproche de la condition des serfs du Moyen-Âge, donc l'expression servilisme est sans doute la plus adaptée. Alors après, à partir des années 1880, on a un nouveau système, qui est un système proche de ce qu'on trouve en France, dans certaines régions, qui est un système de métayage. Donc voilà, vous voyez qu'à partir de cet événement du juin 1848, de proclamation de la République à La Réunion, bien, quand on tire le fil, on s'aperçoit qu'il y a une histoire extrêmement riche. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Vous avez toute la documentation pour poursuivre cet échange dans les ressources bibliographiques et documentaires qu'on va vous donner maintenant et que vous retrouvez aussi sur notre site d'Aja. Merci à tous et à la prochaine fois. Je vous parlerai de l'épidémie de peste à Marseille en 1720, toujours d'un point de vue, vous voyez, de l'histoire populaire. À bientôt. Bonjour à tous. Donc, on va passer maintenant à notre rubrique livre. Donc, comme tous les mois, on vous présente un certain nombre d'ouvrages qui sont en général en rapport avec le sujet qu'on a étudié. Alors, on va commencer par un ouvrage pédagogique qui raconte d'une manière simple l'histoire de La Réunion. Son auteur, c'est Jean-Marie Desport, et le titre, c'est « De la servitude à la liberté, Bourbon, l'île Bourbon ». Des origines à 1848. C'est un ouvrage qui a été initié, encouragé par le Comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion, qui est, je trouve, très pédagogique. Alors, il est assez ancien, on ne le trouve plus en format livre, mais on le trouve encore sous format numérique pour une somme assez minime, moins de 7 euros, je crois. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour faire un peu de publicité pour un éditeur local, oui, parce que l'histoire, la recherche historique, la mémoire, elle a besoin aussi des éditeurs, et donc il faut que nous encourageons de notre côté les éditeurs. Alors, il y a un éditeur à La Réunion qui s'appelle Océan Édition, qui est assez récent puisqu'il a été créé en 1987, il est installé sur l'île, et il refuse de s'enfermer dans une perspective exotique ou régionaliste, c'est-à-dire c'est largement ouvert sur toute une série de problèmes à partir de cet exemple assez fantastique qu'est la société multiculturelle réunionnaise. Donc j'ai choisi deux ouvrages de genres très différents qui ont été publiés par cet éditeur. Le premier, c'est une étude historique qui est importante, dont je me suis servi quand je vous ai parlé dans l'émission justement de la question de la justice, du passage de l'esclavage au servilisme. Eh bien, vous avez le livre qui a été écrit par
un historien de La Réunion qui s'appelle Jean-Claude Laval, s'appelle La justice à La Réunion, 1848-1870, qui est intéressant parce qu'il montre justement le rôle assez compliqué de la justice dans ce système et comment on a avalisé le passage d'une forme de domination à une autre, après donc ce que je vous ai expliqué sur l'abolition de l'esclavage en 1848. L'autre ouvrage qui est très intéressant, c'est aussi une des rubriques qu'on voudra alimenter dans notre émission, c'est les ouvrages pour la jeunesse. Oui, parce que c'est important aussi que l'histoire, la mémoire, soit véhiculée sous des formes adaptées pour le jeune public. Alors là, c'est un ouvrage composé par Marie-Josée Hubert Delisle et qui a été illustré par Dany Pépuis, qui s'appelle, excusez-moi pour l'accent, je ne suis pas créole, hein, Tichemin, Grand Chemin, Tissomin, Grand Somin. Voilà. En fait, c'est un livre avec un CD qui regroupe 64 airs traditionnels de La Réunion. Donc voilà, j'ai trouvé ça très émouvant, très passionnant, cette anthologie des ritournelles de l'enfance. Donc 67 airs traditionnels qui ont été recueillis tout autour de l'île auprès des grands-parents et des parents. Des berceuses, des jeux de doigts, des danses, des rondes, des refrains et des chansons pour les petits comme pour les grands de l'école élémentaire. Donc voilà, je pense que c'est une manière originale de découvrir la culture créole à La Réunion. Enfin, au niveau de cette culture réunionnaise qu'on a voulu célébrer dans cette émission, je voulais vous parler d'une association, oui, parce qu'il y a des gens qui militent pour la lecture. Cette association, elle s'appelle la République des livres. Vous avez ici en dessous là, le site internet qui vous permet d'y avoir accès. Et elle s'efforce de valoriser les auteurs qui résident à La Réunion, ou plus généralement dans l'océan Indien, ou bien alors ceux qui sont originaires de ces régions-là. Et là, un répertoire qui dépasse aujourd'hui déjà les 1000 ouvrages. Voilà, alors, maintenant, comme on va le faire souvent dans cette émission, eh bien, on va aussi valoriser un petit peu notre propre maison d'édition, les éditions Dacha. Nous avons publié un ouvrage qui finalement est en rapport avec le sujet, même si ça ne concerne pas directement La Réunion. C'est cet ouvrage que vous avez là, que j'ai sous les yeux, qui s'appelle donc « Poète navigateur, les eaux vives, Dieppe, Mayotte, Sumatra ». Il a été écrit et dessiné par un membre de notre association qui s'appelle Éric Mayer, avec un poème, un poète qui a vécu au XVIe siècle, qui s'appelle Pierre Grignon. Alors c'est extrêmement intéressant parce que je crois que peu de gens connaissent finalement cette histoire des navigateurs grâce auxquels justement on a découvert et ensuite occupé l'île de La Réunion. Et là, cet ouvrage évoque le voyage qui a conduit deux frères, les frères Parmentier, qui étaient, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais c'était pas fréquent, mais ça arrivait à cette époque-là, qui était à la fois poète et navigateur. Et donc, ils sont embarqués dans un voyage qui était totalement inédit à l'époque, qui les a amenés de Dieppe jusqu'à Sumatra en 1530. Donc, le récit, on ne l'a pas tel quel. Il a été reconstitué et dessiné donc par Éric Mayer, qui est à la fois professeur, scénographe et réalisateur. Et en conclusion de cette reconstitution, il y a un poème du pilote et cartographe qui s'appelait Pierre Grignon, qui a vécu de 1464 à 1540. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les navigateurs poètes de Dieppe, au début du XVIe siècle, ce n'étaient pas des conquistadors, ni même des explorateurs. Faut arrêter de croire que tous ceux qui ont pris leur bateau partaient pour aller coloniser des terres ou pour aller exterminer des Indiens. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'était des marchands humanistes qui étaient, vous voyez, un petit peu marqués par ce mouvement culturel qu'on appelait l'humanisme, qui était une ouverture fantastique sur le reste du monde. Et ils s'intéressaient au progrès des sciences, à tel point qu'ils contribuaient à la cartographie. Ils étaient eux-mêmes cartographes, savants, donc on pourrait dire. Ils ont découvert des îles et des parcours transocéaniques à partir
de leurs propres réflexions qui croisaient des savoirs anciens, des savoirs modernes. Ils se sont appuyés sur des interprètes portugais, espagnols, qui connaissaient déjà à l'époque évidemment le Brésil et les Indes et qui avaient un petit peu ouvert la voie. Donc ils vont venir seulement avec une trentaine de tonneaux de poivre, alors qu'ils espéraient en ramener 300, mais c'est le début hein, de l'usage du poivre en Europe. Mais encore plus intéressant, c'est qu'ils vont venir avec 18 hommes d'équipage et 6 Indiens Guarani du Brésil, qui avaient été laissés là sur place, un peu abandonnés, on pourrait dire, sur l'île de Sainte-Hélène par des vaisseaux portugais. Alors non seulement ces Indiens vont être accueillis à Dieppe, mais l'un d'entre eux va se marier sur place et aura des enfants avec une Dieppoise. Alors j'ai trouvé ça assez fantastique, vous voyez, pour montrer aussi cette humanité à travers les siècles et ces échanges entre les populations, bien qu'on construit le peuple français tel qu'il est aujourd'hui. Donc je vous recommande chaudement la lecture de cet ouvrage. Vous pouvez vous le procurer évidemment aux éditions d'Aja en nous contactant. Pour terminer cette rubrique livre, je vais vous présenter, comme on l'avait fait déjà le mois dernier, un événement mémoriel. Vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais parlé d'un travail réalisé sous la direction d'un professeur, un lycée professionnel d'Amiens, autour donc d'une usine, l'usine Cossera, pour retrouver et promouvoir sa mémoire. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous un autre événement mémoriel dont l'un de nos abonnés nous a informé récemment. Il s'agit d'un documentaire interactif intitulé Vitry-sur-Seine, 500 mètres d'histoire, qui a été réalisé par Michel Violet et Franck Nozal, Biopix Productions. Alors, ce qui est original, hein, c'est que le point de départ de ce projet, ça a été la découverte fortuite de plusieurs extraits d'une bande son enregistrée lors d'une rencontre organisée par le Centre culturel de Vitry en novembre 1978. Des habitants évoquaient alors leurs souvenirs de leur vie quotidienne dans cette ville depuis le début du siècle. Donc l'idée, ça a été de renouveler l'expérience 42 ans plus tard, en s'appuyant sur ce support mémoriel qui avait été retrouvé, de façon à ce que les habitants d'aujourd'hui, vous voyez, enclenchent leur propre mémoire sur ce qui s'est passé depuis cette période-là. Donc on a ici, vous voyez, un enchevêtrement de mémoire à travers les générations qui donne un résultat tout à fait passionnant. Et donc il y a eu une rencontre qui a permis aux habitants de découvrir ce documentaire et d'échanger donc autour de la mémoire de la ville qui a été présentée le 18 juin 2021. Et les auteurs nous promettent une suite de leurs aventures et vous pourrez les contacter en passant par notre intermédiaire. Pour conclure, je voulais aussi vous dire que notre appel à engager des collaborations avec des structures qui s'intéressent elles aussi à l'histoire populaire, avait déjà été entendu. Désormais, notre série d'émissions sera également relayée par la coopérative audiovisuelle qui s'appelle Les Mutantes Pangées. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, nous sommes très heureux et nous espérons donc un long cheminement commun. Je vous renvoie pour ma part donc à la prochaine émission qui sera diffusée à la fin du mois de juillet.